Quand on conduit une opération spéciale dans un poste de commandement, on prend énormément de décisions. C'est essentiel d'avoir la bonne info au bon moment. La multitude d'informations transmises par nos capteurs et nos effecteurs peut facilement saturer le chef. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on peut synthétiser toutes ces données sur un seul support au cœur du PC de GFS. Je suis le lieutenant-colonel 200 Nicolas, chef de l'escadre aérienne de commandement et de conduite projetable. Et je vais vous expliquer comment mes hommes facilitent la manière de conduire les opérations spéciales. Alors c'est simple, on va déployer un réseau du type ANW2 qui est en fait une suite de logiciels et de matériel permettant de rassembler les données au même endroit. Bien entendu, tout ça, ça permet de créer la Situation Awareness qui est une remontée de la CITAC, une remontée BFT et une remontée RFT. Alors tout ça, ça se fait sous couvert du standard 4609, bien connu des instances otaniennes. Bien entendu, vous connaissez très bien le protocole H323 qui se divise en deux parties, une partie pour la vidéo qui est la 264 et une partie pour le 2 qui est le A90. Je crois que je vous ai perdu là. On va le refaire autrement. Avant, pour réserver au resto, il nous fallait un annuaire, un guide touristique et une carte routière. Bien entendu, aussi un téléphone. Aujourd'hui, on a ça. Pour les opérations spéciales, c'est le même principe. On récupère toutes les informations disponibles du terrain afin de le transmettre au PC de GFS. Mais on ne les envoie pas comme ça en vrac. On les rend exploitables, disponibles, user-friendly. C'est un peu comme si on faisait une application de smartphone qui fusionne nos propres données sécurisées. Sur une cartographie numérique de terrain, on peut faire apparaître par couches successives la position de nos hommes. C'est le Blue Force Tracking. On a également les données de nos avions transmises par liaison 16, le cap, la vitesse et l'altitude. Chaque acteur sur le terrain produit un flux d'informations. Par exemple, la messagerie instantanée, un outil indispensable. À ça, on ajoute le flux vidéo en temps réel, habillé par l'errance. Et tout ça, on le fait entrer dans une seule pièce, sur notre mur d'images. Imaginez, une mission de capture HVT est montée. On connaît tous les points d'intérêt de la zone de travail que l'on peut faire apparaître sur cette carte. Zone pour l'assaut, évacuation sanitaire, position des pions tactiques, et tout ça est actualisé automatiquement en temps réel. Sur cet écran, on a la recopie du flux vidéo du drone. À l'instant T, on peut connaître sa position, son altitude et les coordonnées de ce qu'il nous montre. Une foule d'informations cruciales. Sur cet écran, j'ai tous mes réseaux de messagerie avec ma chaîne de commandement haute et basse. Les spécialistes du renseignement, les équipages en vol, les groupes action, on partage une évaluation constante de la situation. Et vous n'avez pas idée à quel point ça nous rend réactifs. On détecte un mouvement inattendu. Le chef de PC de GFS contacte par chat l'équipage du drone qui se trouve à des milliers de kilomètres. Il lui demande de lui offrir le meilleur point de vue sur la zone. En même temps, il sait quelles sont ses options d'appui-feu en fonction du playtime des chasseurs. Il se réorganise. Il fait évoluer en silence ses pions tactiques pour garder l'avantage, bénéficier de l'effet de surprise et voit en permanence le résultat de ses orientations tactiques. On appelle ça la boucle OODR. Et notre job, c'est d'accélérer cette boucle. Et vous vous dites que c'est tout un barnum pour monter ça? Eh bien c'est le cas. Mais mes hommes sont capables en une seule nuit de déployer un réseau sécurisé au milieu de nulle part. C'est l'Adaptative Network Wideband Waveform. Il est spécialement conçu pour la conduite des opérations spéciales. En quelques heures, les capacités du PC de GFS sont décuplées. En clair, la mission de la C2P, c'est de diffuser l'information, quel que soit l'endroit, en appui de la chaîne de commandement des forces spéciales. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de l'information.